Que les Nantaises et les Nantais ont placé la liste Nantas de l'avenir que je conduis très largement en tête. Je tiens tout d'abord à les en remercier très chaleureusement, très sincèrement. Ensuite, on observe qu'à Nantes, la gauche est très nettement majoritaire. C'est donc à partir de maintenant le moment d'appeler au rassemblement de la gauche dans l'intérêt de Nantes, dans l'intérêt des Nantaises et des Nantais pour construire le nouveau cycle pour Nantes, le nouveau contrat que nous avons proposé tout au long de cette campagne, tout au long de cette campagne de terrain aux Nantaises et aux Nantais dans tous les quartiers de Nantes. On voit les verts, on voit... Tendance, je le redis, la liste que je conduis très largement en tête, la gauche majoritaire à Nantes, la droite faible, faible et divisée. Je crois que les Nantaises et les Nantais ont dit ce soir qu'ils pensaient que Nantes avait de l'avenir et qu'on devait continuer à construire ensemble. La campagne n'est pas finie. Le deuxième tour commence dès ce soir. Il nous faudra à nouveau être sur le terrain, dans l'action, dans tous les quartiers pour rassembler la gauche au service de Nantes, des Nantaises et des Nantais. Et le recul de la gauche sur l'agglomération, vous en pensez quoi? J'attends d'avoir l'ensemble... Il y a quelques communes dont on a des surprises, Saint-Philbert de Grandlieu, Saint-Flus... Pour pouvoir commenter les résultats sur l'agglomération, il faut avoir l'ensemble des résultats. Ce qui est certain, vous le savez, c'est que la majorité politique de l'agglomération, elle est le résultat de la situation politique à Nantes, de par la démographie nantaise. Je crois que ce qui est en train de se passer à Nantes ce soir est donc un message positif pour l'agglomération d'un point de vue global. Ensuite, effectivement, il faudra regarder commune par commune. Mais là encore, je veux prendre le temps de pouvoir regarder les résultats dans le détail avant de les commenter. Pascal Chiron vous a appelé. Vous allez vous appeler? Pour l'instant, non. Je crois que tout le monde regarde les résultats. Mais effectivement, au vu des résultats que nous avons, du fait que la liste que je conduis est très en tête, que la gauche est majoritaire, j'appelle au rassemblement de la gauche dans l'intérêt de Nantes. Merci.